14h04, on est bien dans le temps de la chose. Petit rappel. Et vous avez remarqué que je travaille dans le cadre des prolongations, si je puis dire, issues du match La Révélation des Pyramides, ce fameux film qui n'a jamais vécu du fait de l'existence d'un escroc qui, lui, vit largement. L'art le plus difficile, c'est l'art de l'ici et maintenant. Et vous le savez, toute personne qui a une vie amoureuse doit le savoir, ou des responsabilités familiales, etc. Je fais ça à la mémoire de Jean Faure, que j'ai connu dans le cadre de l'association Atlantis. C'est un monsieur qui a passé toute sa vie, relativement misérablement, avec des bouquins et une chambre pour lui tout seul, et il a consacré son existence à l'étude notamment cyclologique. Il ne s'agit pas de vélo, ni de trottinette, évidemment, mais savoir si l'épaisseur du temps recèle quelques rythmes, quelques particularités. Ça sera la première partie de l'exposé, et je vais vous montrer que les questions ont été très nombreuses dans ce domaine. Donc, douloureux honneur, qui est le mien aussi, que d'appartenir à une humanité finissante qui ne sait pas sa fin prochaine, qui ne veut pas le savoir, et de le dire pourtant, car il faut qu'en cette époque, certaines choses soient dites, aussi inconfortables soient-elles. Dans le demi-siècle à venir, les événements les plus brutaux, les plus inconcevables, à la fois maléfiques et bénéfiques, vont éclater, et ce n'est qu'alors que la plupart s'apercevront que certains les avaient prévus. Cet écrit date de l'an 2000, tout rond, hein, donc un demi-siècle, ça fait assez proche. Prenez des vacances. Il y a deux façons de se tromper. L'une consiste à croire ce qui n'est pas vrai, l'autre consiste à refuser de croire ce qui est vrai. Le problème qui se pose, c'est croire ou ne pas croire, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est pouvoir vérifier et pouvoir statuer sur des choses aussi solides et certaines que possible. Mais ça valait la peine d'être cité. Donc c'est l'association Égalité et Réconciliation, E et R, ici c'est émission et réception pour moi, qui présente l'histoire cyclocosmique et le darwinisme à l'épreuve des faits, une conférence de moi-même. Donc, cette conférence, invitant à l'exploration, à la réflexion sur nos savoirs, nos comportements personnels et collectifs, n'a été conçue et réalisée ni pour froisser, ni indigner, ni porter préjudice à qui que ce soit. Il n'a pas davantage vocation à influencer, à diriger tel ou tel. Au contraire, elle s'adresse à des personnes indépendantes, en recherche de principes corrects et sûrs, pour se guider et soucieuses d'appliquer et de sauvegarder comme étant essentielle la liberté d'expression. Jean-Baptiste Lamarck, qui était ce personnage? C'est une lacune. S'il vous plaît, allez dans Wikipédia rechercher le cursus de ce monsieur. Il fait partie du contexte de cette conférence. Donc, veuillez tout d'abord noter qu'il n'y a pour l'homme de vérité positive que les faits qu'il peut observer. Sauf les faits, tout n'est qu'opinion. On le sait depuis Shakespeare, l'opinion est la reine du monde, et c'est bien là le problème. On la manipule grâce à ce fait. Pierre-Simon de Laplace, lui aussi, qui connaît Pierre-Simon de Laplace? Pas grand monde, c'est dommage. Ce que nous savons est peu de choses, ce que nous ignorons est immense. C'est pour un peu relativiser le propos. Il faut retenir qu'il ne s'agit pas d'affirmer ou de nier, mais de comprendre. C'est une phrase de Baruch Spinoza. Sur le chemin de la vérité, on ne peut commettre que deux erreurs, ne pas s'y engager et ne pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est le fameux Bouddha, Siddhartha Gautama Sakyamuni. Et enfin, qu'un brave inconnu... Le test du courage vient quand on est dans la minorité. Je pense là à Monsieur Dieudonné. Et le test de la tolérance vient quand on est dans la majorité. Et là, je pense à un monsieur bien plus petit qui s'appelle Valls. C'est ça. Hein ? C'est ça l'évolution. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, nous vous invitons à être les plus attentifs et les plus critiques en regard de ce que vous allez entendre et voir maintenant. Vous exercerez, comme saint Thomas, le doigt dans la plaie, toutes les facultés qui sont les vôtres pour juger, peser, écarter, rassembler, etc., jusqu'à ce que vous puissiez avoir un jugement solide. En vous rappelant que notre esprit est de trois catégories, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas.
Ne pas savoir est fâcheux. Ne pas savoir que nous ne savons pas est tragique. Ça, c'est dans la perspective du film, parce que, comme je l'ai laissé entendre, nous pend au nez une échéance très importante, redoutable, et que tôt ou tard, il va bien falloir peser ce qui a été proposé et qui va se doubler d'un prochain film extraordinairement fort. Autant le premier, c'était pour les touristes, autant le suivant, ça va être un déménagement brutal. Donc, toujours en bas, un illustre inconnu. L'ignorance ultime est le refus de quelque chose au sujet duquel vous ne savez rien et que vous refusez d'investiguer. Ça, c'est exactement la disposition de l'équipe scientifique dominante actuellement. Ce sont les trolls, etc. Ils donnent des conclusions avant même d'avoir étudié quoi que ce soit. Et à ce titre, je citerai l'anecdote suivante que l'on doit à un monsieur qui était astronome, Halley, un Anglais, celui de la comète de Halley, qui avait apostrophé Isaac et Newton en disant « Mais comment faites-vous, monsieur, vous qui êtes si intelligent, si finement instruit, pour supporter l'astrologie et ses niaiseries ?» Et l'autre avait répondu « La différence entre nous, monsieur, c'est que moi, je l'ai étudié. » Donc, fermez le banc, c'est terminé. C'est ça, actuellement, la différence considérable entre le monde dit savant et le monde qui s'intéresse par la curiosité à tout ce qui apparaît. Je rappelle que selon les définitions des anciens, et notamment aussi bien Platon qu'Aristote, son élève, la philosophie est née de la curiosité. Elle est légitime et elle doit être exploitée. Or, ce que l'on fait dans les classes désormais, c'est de l'abattage littéralement. Bon, eh bien, mon propos, c'est observer méthodiquement, étudier systématiquement et analyser sans limite pour combattre les idées reçues. Ce sera déjà pas mal. Merci. Vous voyez que je prends des précautions oratoires, des préventions. La contradiction doit éveiller l'attention et non pas la colère. Il faut écouter et non fuir celui qui contredit. Notre cause doit toujours être celle de la vérité, de quelque façon qu'elle nous soit montrée. Madame de Sablé, je ne cite pas que des hommes. Il vaut mieux la variété dans la recherche de la vérité que l'unité dans l'affirmation de l'erreur. Là, on est bien placé. Et la dernière pour aujourd'hui, ou presque. Je vois ordinairement que les hommes, au fait qu'on leur propose, s'amusent plus volontiers à en chercher la raison qu'à en chercher la vérité. Ça, c'est un grave problème. Ils laissent là les choses et s'amusent à traiter les causes. C'est-à-dire, on nous propose de tous les côtés des théories, mais que ça n'avance à rien. Voilà. Alors, on va faire un petit tour historique avec Aristote, que j'ai cité à l'instant. Voilà, Antoine, il serait peut-être temps. Avant d'aborder la solution d'un problème, il convient de commencer par bien douter et par s'enquérir de toutes les difficultés dont le problème est entouré. Nous savons une chose d'une manière absolue quand nous savons quelle est la cause qui l'a produit et pourquoi cette chose ne saurait être autrement. C'est la savoir par démonstration. Aussi, la science se ramène-t-elle à la démonstration. René Descartes, suiveur, follower... Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire de nouveau et dès le fondement tous les systèmes de connaissances. Quant à Pierre Bell, contemporain de René Descartes, ne rien croire ou croire à tout, c'est à égal degré l'indice d'un faible esprit ou d'une conscience qui s'éteint. Rassurez-vous, ça n'est pas terminé, ces préventions, c'est en cas de retard des entrées. L'homme contemporain minimise ou méprise gravement les apports du passé, dans de très nombreux domaines, notamment celui de nos origines et de notre avenir. Dans une perspective de pensée autonome et responsable, il convient de ne pas suivre trop systématiquement et précisément les voies prébalisées par les médias et les idéologues de la science. Il est certain que certaines relectures d'anciens ouvrages engendreront des situations délicates et de nécessaires remises au point, parfois pénibles ou douloureuses. Mais aussi et surtout, soyez prudents, car dans le système actuel, vous ne pouvez voir et entendre que ce que l'on veut bien que vous voyez et entendiez. Pour le reste, il vous faut prendre des risques. Je pense que tout le monde est convaincu de cette situation. Donc, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas le rôle des médias monopolisés, ni celui de l'éducation centralisée. C'est la tête de George Bush, semble-t-il, hein ? Et gardez, autant que vous le pourrez, votre liberté de penser. Vous courez deux risques en faisant cela, celui de ne plus penser de manière individuelle et autonome ou celui d'être fustigé parce que vous, précisément, pensez de manière individuelle ou autonome. À vous de choisir.
Donc, collectivement, vas-y, c'est gratuit, utilise-le à fond. À moins d'avoir un autre idéal ou une très bonne image de soi-même. Bref, la responsabilité de chacun implique deux actes, vouloir savoir et oser dire. Nous abordons enfin la première partie, regard sur la cyclologie des anciens. Dès les origines et en tout lieu, le temps a toujours été perçu comme une énigme majeure, d'autant plus qu'il semble nous conditionner intégralement. Personne, même intelligent, très riche, puissant, extrêmement cultivé ou pourvu de dons inouïs, n'a à ce jour pu comprendre la nature du temps, son origine, son étendue, ses structures et ses propriétés. On ne sait presque rien de lui, et pas plus à la fin de nos existences qu'en leur début. On ne connaît de lui que ce qui nous contraint. Le connaître serait pourtant d'une extraordinaire utilité. Parce qu'en réalité, nous marchons tous en aveugle et en sourd vers nos destins individuels ou collectifs, que nous ne connaissons qu'au moment où ceux-ci se présentent à nous, qu'ils soient heureux ou non, et qu'on le veuille ou non. Que connaissons-nous réellement du temps ? Est-il linéaire, cyclique, spiraloïde ? Est-il en forme de vagues, d'ondes, de branches, d'éclairs ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Depuis quand et jusqu'à quand ? Pourquoi ? Comment ? Ça, c'est la base des questions. Ce questionnement commençait depuis que l'homme observe et réfléchit. Dès ce moment, il n'a cessé de penser aux moyens de pénétrer dans le temps et dans le futur pour le voir, le connaître, l'interpréter et aussi pouvoir le transmettre et pouvoir anticiper. Car savoir, c'est pouvoir se sauver. Le temps est-il une illusion ou un aspect du réel ? Pas de réponse. En d'autres termes, le temps est-il une illusion et si tel est le cas, pourquoi et quel est son support, quel est son but, qui lui procure son énergie, etc. On va un peu plus loin dans la profondeur du questionnement. Le temps est-il une asymptote infinie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de terme? Et celle-ci est-elle régulière et auquel cas, pourquoi, voire même comment, en sera-t-il toujours ainsi? Est-ce que le temps va perdurer au-delà du temps? Le temps est-il uniforme et régulier en son écoulement? Personne ne sait. Le temps ne s'écoule-t-il que dans l'univers ou vient-il d'ailleurs? Auquel cas, d'où? Personne ne le sait. Traversons-nous le temps ou est-ce celui qui nous traverse? Personne ne le sait. Est-ce une onde ou une variété de corpuscules comme la lumière? Serait-il associé à la gravitation dont il semble posséder quelques propriétés? Là encore, pas de réponse. Est-il une forme de l'énergie? Est-il lui aussi soumis aux lois de la gravitation? Quelles sont ses relations réelles avec l'espace et l'énergie? Entre-t-il dans l'équation du sens? Pas de réponse. Existe-t-il plusieurs formes du temps? Si oui, lesquelles? Vous les saurez tout à l'heure. Le temps est-il un rythme simple ou double, voire un rythme composé, complexe? Nous ne le savons pas. Le temps est-il une onde? Rien ni personne ne répond. Est-il soumis à un défilement régulier ou ne l'est-il pas? Et auquel cas, pourquoi? Est-ce que le temps repasse éternellement en boucle? A-t-il des conséquences intrinsèques? Est-il soumis à des forces au-dessus de lui? Quelle est sa texture? Où est sa forme? Aucune réponse. Le temps est-il une spirale d'un genre fractal ou bien n'est-il qu'un simple tourbillon? Personne ne répond. Comme celui d'une rose. Le temps est-il fragmenté au naturel? Est-il troué? Est-il complet? Personne ne répond. Est-il mou, liquide, visqueux, collant, souple, lisse, épais ou granuleux? Pas de réponse. Serait-il courbe, comme le serait l'espace? Pourrait-on s'en affranchir, s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et aller ainsi sans contrainte à la conquête de l'univers entier? Pas de réponse. A-t-il commencé son existence avec le soi-disant Big Bang? Personne ne saurait répondre. Ah, peut-être les frères... les frères Bogdanov, c'est ça? Bon, on va bien rire. Hein. Le temps produit-il des bulles successives pour s'éteindre et s'étendre? Personne ne le sait. Le silence intérieur peut-il changer la nature du temps, la modifier? Personne ne sait. Seule l'expérience directe. Le temps est-il un être vivant sa propre existence, séparé de ses effets? Est-il éternel? Est-il indépendant de l'espace? Est-il destructible? Toutes ces questions ont déjà été posées par les philosophes et les savants. Pas de réponse. Vous voyez ici la figuration sensible, particulièrement réussie de cette personne Mona Lisa, d'après Léonard de Vinci, dont l'énigme perdure.
C'est le premier tableau peint à l'huile sur bois, et non pas sur toile d'ailleurs. Et on ne sait toujours pas ce que signifie ce visage qui semble impénétrable, tout comme l'est le temps. Et le fait d'avoir un visage comme ça semble faire qu'elle défie le temps elle-même. Quoi que l'on ait fait, que l'on ait pensé, on a toujours été soumis au temps. Et quoi que l'on fasse, notre terme est inclus dans le temps. Quoi que l'on pense, quelle que soit la technologie, elle semble ne pas avoir de prise sur le temps, sur la durée. Et ces choses-là semblent étroitement liées, temps, espace, énergie, c'est-à-dire mouvement. Mais qui pourra pénétrer ce triangle particulier ? On dit qu'on est né du temps parce que, en effet, la suite ininterrompue des êtres jusqu'à nous aujourd'hui semble être emprise dans une spirale. Est-ce une mélodie dont on ne connaît ni l'écriture, ni l'interprète ? Est-ce enfin le défilé des signes qu'on imagine ? Est-ce qu'il y a plusieurs qualités de temps interpénétrées, des tresses faites avec des temps différents ? Personne ne répond. Est-ce que c'est un moment furtif qui n'aura jamais sa pareille ? On ne sait pas. Est-ce un papillon fait de papillon ? On ne sait pas non plus. On ne sait absolument rien de sa nature. Personne à ce jour n'a répondu à ces très nombreuses questions, mais elles semblent moins importantes que la possibilité d'enfermer le temps dans des règles pratiques capables de simplifier nos relations avec lui, de lui donner un visage, de le conditionner à nos emplois pratiques. Le reste attendra bien que nous ayons avancé dans son observation et à l'usage. Car en effet, il a bien fallu tenter de le mettre au travail, le temps, de le représenter, de le conditionner à notre goût et selon nos besoins, ce qui ne dut pas être une chose facile. On ne sait même pas qui, dans le temps de l'histoire, a mis en œuvre et réalisé cela, chose difficile entre toutes, parce que normaliser le temps, ça n'est pas simple. Au début, on s'est intéressé à tout ce qui était sensible, notamment au rythme de la nature. Le plus évident, c'est le rythme de circulation du soleil. Le jour, puis la nuit, puis le jour, puis la nuit, etc. Il en va de même pour la Lune. Donc on a tâché, on a essayé de construire, de constituer des calendriers là-dessus. Mais il y a une autre manière de considérer le temps. Alors là, je cite une expression du XVIIe siècle. L'homme dit « j'ai faim », la femme dit « j'ai mes règles ». C'est délicat, hein ? Et tous deux respirent. Qui que nous soyons, que nous le voulions ou non, nous sommes tous soumis à des rythmes biologiques encastrés les uns dans les autres et dans diverses fonctions. C'est le temps biologique. Notez bien cette double hélice, nous allons la revoir. Question rare, au même propos. Le temps a-t-il un goût ? Possède-t-il une odeur particulière ? Propage-t-il un son caractéristique ? Personne n'en a idée. Mais ça fait partie des choses rares. Est-ce que le temps de l'amour est un temps différent du temps du travail administratif ? Est-ce qu'il est, une fois pour toutes, considéré tel qu'il est dans sa nature ? Personne ne répond à cela. Est-ce qu'il n'est pas variable comme la surface de l'eau, qui pourtant restitue la totalité de l'image ? En fait, tout nous indique que nous avons affaire à un temps relatif. On verra tout à l'heure, plus loin, que le temps des physiciens tend vers cette définition. Nos anciens auraient pu fractionner le temps en diverses parties variées. Ils ont remarqué que celui-ci était de nature symétrique et régulière et ont pensé à le diviser en nombres pairs plutôt qu'en nombres impairs. On aurait pu avoir, imaginez-vous, 2 fois 30 heures de combien de minutes en 24 de 60 ? Ils ont choisi le nombre 60 comme déterminant commun du temps et de l'espace. Car en effet, les surfaces et les temps nous ont été légués divisibles par 60 et portent les mêmes mots pour parler de l'espace et du temps. Secondes et minutes d'arc et secondes et minutes de temps. Déjà là, on peut se questionner parce qu'on commence à utiliser cette terminologie environ 3000 ans avant notre ère, que ce soit chez les Babyloniens, les Égyptiens et même en ancienne Chine. La conséquence, c'est d'où vient cette collusion entre le temps angulaire et le temps duré ? Est-ce que l'analyse a été assez profonde pour lier l'espace-temps comme nous les lions de nos jours ? Ça, c'est une bonne recherche. Personne ne s'y attelle.
On remarque que les dimensions linéaires temporelles et spatiales sont coordonnées par le nombre 15. Ça aussi, c'est rigolo, puisque tous les autres sont impairs, et celui-là est impair. Le temps passe. Ça, ce sont les choses dont on connaît à peu près par certitude expérimentale qu'elles sont. Et il passe du passé vers l'avenir. Mais est-ce qu'une fois passé, le temps est définitivement fixé ? Serait-il possible de le modifier ? Pourrait-on y changer quoi que ce soit ? Et auquel cas, que se passerait-il vraiment ? Là encore, beaucoup de travaux théoriques ou cinématographiques ne nous éclairent pas. Ce que l'on sait, c'est que le temps engendre la succession en créant le devenir. Entre l'œuf et la poule, je suppose que vous vous êtes posé le problème, qui va l'emporter ? Et c'est lui, le temps même, qui donnera un terme au devenir. On sait que le temps est précieux. Précieux. Non, ce n'est pas celui-là. Et il est précieux comme l'or qui seul, lui, ne craint pas le temps. C'est pourquoi ce que j'ai dit tout à l'heure en entrée sur les alchimistes a une grande importance. Pourra-t-on un jour voyager dans le temps ? La probabilité existe, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, mais ça n'est pas l'objet de cette intervention d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tout cela laisse perplexe, songeur et des questions sans terme. Malgré nos efforts incessants, nos connaissances astrophysiques, astronomiques et cosmologiques ou autres, restent hélas très parcellaires et lacunaires. En fait, le temps est l'objet de l'intellect le moins bien cerné, le moins bien connu, et pourtant nous le traversons en permanence. Les philosophes, l'école d'Athènes, ont tous quasiment frotté leur esprit sur cette énigme. Pas de résultat. Les gens libres l'ont fait de différentes manières. J'en appelle notamment aux hermétistes. C'est la catégorie culturelle la moins connue, pour son nom d'ailleurs aussi. C'est-à-dire elle est fermée. Elle est comme la nature, elle ne parle pas, elle signifie. Et eux ont donné des résultats que j'expliciterai. Vous avez des tentatives très peu valables dans le domaine des sciences. En 1913, le mathématicien Élie Joseph Cartan propose un nouveau type de mathématiques qu'il prétend susceptible d'expliquer certains mystères de l'espace-temps que les récentes théories d'Albert Einstein, le frère de Franck, ne parviennent pas à élucider. Ses travaux débouchent sur la théorie Einstein-Cartan qui décrit l'espace-temps comme étant un mouvement spécial qui suit une trajectoire particulière pour créer un effet unique. On est bien avancé, hein. Ça s'appelle la science. Enfin bon, ça porte un autre nom, la politique, mais bon, c'est comme ça les choses. Hein. Vous avez ces deux personnages qui ont créé 7 ouvrages consacrés au même sujet et ils passent leur temps à se regarder le nombril, ils devraient regarder ailleurs, ils seraient peut-être un peu stupéfaits. Bon, je les ai lus, et je leur ai même proposé de faire un film pour eux. Quand on les a rencontrés, Patrice et moi, on a tout de suite changé de direction. Ces gens-là ne savaient même pas la définition du temps basique donnée par Platon, à savoir le temps et l'image mobile de l'éternité immobile. Vous voyez qu'il manquait un chapitre. Donc ils ont parlé de choses quantiques, c'est à la mode, sans y comprendre ni du point de vue physique ni mathématique, et j'expliquerai cela tout à l'heure. C'est pourtant assez simple, et je pense qu'ici, tout le monde va saisir. Mais parce que étant à la mode, et ça fait vivre, on peut supporter cela. Pierre-Simon de Laplace, que j'ai déjà nommé tout à l'heure, dit « Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. » C'est-à-dire passé, présent, avenir. Le passé projetant son ombre sur le présent qui, lui, risque d'oblitérer l'avenir s'il n'est pas compris et bien maîtrisé. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste, cette intelligence, pour soumettre ses données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements les plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Pierre-Simon de Laplace était athée, évidemment, donc il ne savait même pas qu'il parlait du Dieu créateur des anciens. C'est comme ça. Avant d'entrer dans ce labyrinthe, sachez que serpent égale présent chez les anciens. Et avec l'image même de ce reptile très terrestre, ils ont donné des indications que vous allez découvrir tranquillement. Un présent, qu'est-ce que c'est ? Dans le langage ancien, c'est un cadeau du verbe cadere, tomber de haut. C'est bien. Et ce serpent, la particularité qu'il a, c'est qu'il se
dispose dans toutes les figures utiles, comme il est souple, il est mou, etc. Et la particularité supplémentaire, c'est qu'il donne une idée du temps qui s'écoule parce qu'il mue. Et cette idée de mutation, elle est très fortement ancrée dans la culture ancienne. Les anciens parlaient d'évolution, mais pas de la manière dont Darwin en parlera. Absolument pas et jamais. En revanche, il parle de mutation. Et la mutation du serpent, c'est que chaque année, à la même époque, il perd sa peau ancienne et usée, et il en reprend une nouvelle plus souple, ce qui lui permet de grandir. Sinon, il reste coincé toute sa vie et saucissonné. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui a été proposé, c'est l'aspect mythologique, voire mythographique, avec la planète Saturne, qui est la seule à proposer à l'œil humain un anneau, d'où l'année et l'anneau en relation sémantique. Saturne, dans le langage ancien, le U et le OU se disaient de la même manière à la lecture. Ça pouvait même être un V à la place du U. Donc ça signifie Saturne. Et Saturne, c'est anagramme de nature au pluriel, parce que chez les anciens, il y a deux natures. La nature naturante, celle qui pousse l'enfant dans le ventre de sa mère à sortir, si possible, de manière intégrale, complète et viable. Et la nature naturée, c'est l'enfant une fois libéré du ventre de la mère. On voit que Chronos, qui est le nom grec de Saturne, qui est le nom, lui, latin, renvoie à couronne, puisqu'il comporte les mêmes... Quelle lettre ? Ça dort, là. Ah oui, là, je pense que vous êtes dans le bain. Les mêmes consonnes. Voilà, c'est ça. Donc, Chronos et couronne, et le cycle de la couronne, était destiné à la personne qui transcendait le temps. Ainsi, chez les anciens, les très anciens, on a des personnages royaux qui auraient vécu 30 000 ans, ou des règnes d'à peu près cette espèce. Évidemment, incroyable pour le moderne, qui pense que son ignorance écrase le vrai, bon, et voire même le réel. Simplement pour vous donner une idée de ce à quoi les anciens rattachaient la notion de temps. Le posséder, le maîtriser, c'est de l'avoir autour de la tête à l'évidence. Ça évite d'avoir la grosse tête. Les anciens proposaient un temps cyclique. On voit d'anciennes gravures où un serpent se mord la queue. Pourquoi ? Parce qu'il peut, lui. Donc, simplement... Non, c'est pour faire dans le genre local. J'ai cru comprendre que vous alliez dormir. Donc l'ouroboros, c'est le nom qu'on donnait au serpent qui se dévore la queue. C'est une activité comme une autre, donc. Et vous lisez ouroboros et vous comptez, il y a 4 fois la lettre O, c'est-à-dire le cercle, le caractère cyclique, donc, est affirmé directement. Et il y a le mot or très discrètement dans our, qui est la lumière, et robe, qui est volée, c'est une indication dite mercurienne. C'est-à-dire que le temps qui passe vole au temps futur sa substance qui est le présent. Cette définition, on la trouve exprimée chez les anciens égyptiens sous la forme d'anaglyphes. Très compliqué, les anaglyphes, à traduire, puisque ce sont des formules philosophiques exprimées sous forme mathématique. On ne peut rien enlever, rien ajouter, et elles sont complètes et conformes à toutes les expériences. Donc c'est sympa, on a l'ouroboros. Et là, il est en or, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. L'or n'étant pas altérable, il a une durée infinie, voire indéfinie. On a dit l'ouroboros, c'est une figuration mythique. Non, les personnes qui connaissent l'Afrique du Sud-Est connaissent ce lézard très particulier qui, lui, se mord la queue aussi. Donc, il existe et il a été donc en quelque sorte copié sur un animal dont le comportement est assez particulier. Maintenant, il faut être plus subtil. Quelle est la particularité d'un serpent qui se serait enroulé comme ça ? Il figure une roue. Si vous lisez de droite à gauche, c'est our et c'est la lumière. Mais la roue, sa particularité, c'est d'engendrer un mouvement. Donc, ils sous-entendent qu'il y a une énergie latente et un mouvement dans le temps. En effet, rien ni personne n'a jamais vu l'énergie utilisée par le temps pour avancer vers l'avenir. Toutes ces notions ont été maîtrisées par les anciens. Elles ont été visitées, approfondies, recherchées et exprimées. On voit là le nombre d'écailles, etc. Le sous-entendu, c'est que chaque aspect du temps cache autre chose de plus important. On continue. Comme ils étaient très attentifs, ils ont recherché s'il y avait des formes récurrentes, régulières, etc. Ils ont aperçu que dans les ouragans, dans Ouroboros et ouragan, vous avez noté la même manière de construire le mot. On a ce même mot qui se trouve
au Mexique, le dieu du tonnerre, c'est Huracán. C'est assez étonnant pour voir qu'il y a une unité donc, dans les langues. Donc, cette manière de voir, c'est que la roue toute seule tourne doucement, la roue des naissances, notamment, qu'on ne voit pas fonctionner, et l'ouragan, lui, se figure comme cela. Mais ces deux mouvements, le temps qui passe du passé vers le futur par le présent et l'enroulement dont il était question précédemment, ont été concaténés tous les deux. Il y a un temps circulaire et un temps linéaire. Et vous voyez ici une figure constituée exclusivement de carrés. Et cette figure, vous la connaissez sous un autre nom, c'est la spirale. Vous voyez déjà le temps tel qu'il est témoigné dans les âges les plus anciens, préhistoriques. Une ammonite. C'est quoi Amon chez les Égyptiens? Ça veut dire l'inconnu, celui qu'on ne connaît pas, celui qu'on appelle et qu'on ne verra jamais. Et donc, c'est bien cette figure très connue, cette fois-ci, qui est le nautile. La particularité de cet animal, c'est qu'il fait des mathématiques supérieures sans même s'en apercevoir. On l'a testé, il ne compte pas jusqu'à 2, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, chaque chambre de sa coquille a la particularité d'offrir le volume de la précédente multiplié par 1,618, c'est-à-dire le fameux nombre d'or. Alors, comme les anciens étaient très, très attentifs, ils ont noté aussi, à l'égard du serpent, sa particularité, c'est qu'il nous enserre et il nous étouffe. Et il est sûr que le temps, tôt ou tard, vient à bout de nos existences les plus solidement constituées. Vous avez l'image centrale en bas qui montre, non pas une spirale, mais un développement, en quelque sorte, triangulaire sur une base fragile. On ne dirait pas un serpent, mais un intestin. C'est un peu normal, vu qu'il mange tout ce qu'il produit. Et vous voyez la finesse de la représentation chez les anciens. Est-ce que vous voyez des écailles là-dessus? Vous avez vu un duodénum? Personne ne vous a présenté cela en classe, je suppose. Mais lorsque vous faites des études de médecine, ça ressemble étrangement à cela, à un duodénum, ce serpent. Il a plusieurs noms, et là, il dévore ce qu'il produit. C'est la nature même du temps qui résorbe en lui-même ce qu'il aura produit. À gauche et à droite, c'est la même statue où l'on voit, cette fois-ci, un serpent avec des bras. Ça n'est pas le reptilien des amateurs de soucoupes volantes et autre chose, mais c'est le fait que nous sommes enfermés et incapables de travailler s'il ne se desserre pas de nous. Or, c'est là le travail de l'homme contemporain, c'est essayer de cesser cette pression permanente des activités pour pouvoir méditer, pour pouvoir produire quelque chose qui vient de nous-mêmes. Donc, on a du boulot. Regardez les figurations plus récentes, 18e siècle, et voyez les entrelacs du serpent autour du visage jeune, de la maturité avec enfant, puisque c'est une dame, et de la vieillesse, etc. Toutes ces choses-là ont été retraduites. Maintenant, vous regardez ici, je crois que c'est comme ça qu'on s'en sert. Ici, vous avez des joyaux. Et aussi, ont particularité d'être inaltérables, le diamant notamment. Parce que, dans l'idée des anciens, le diamant, lorsqu'on le fait brûler, il ne laisse aucune cendre. Et le temps, une fois passé, il ne laisse aucune autre trace que ce que l'on appelle des événements. Maintenant, on va faire le tour de la pensée des anciens qui figurait, par des moyens de synthèse, des choses relativement importantes. Ils ont souvent figuré l'univers sous forme d'une sphère, mais aussi et encore plus souvent sous l'aspect d'un triangle équilatéral comme celui-ci. D'un côté le temps, de l'autre l'espace, en bas le mouvement et au milieu le sens. Je vous invite à retenir mentalement cette chose très simple, parce que le temps représente le passé, l'espace le futur, parce que tôt ou tard on ira dans l'espace grâce au temps, parce qu'on va le réduire par le mouvement. Toutes ces choses-là sont des synthèses qui existent dans les anciens bouquins, mais que personne ne lit. C'est très dommage. Cependant, les anciens n'utilisaient pas nos termes modernes et avaient de concrètes et solides raisons pour cela. À la place du temps, ils mettaient la durée. À la place de l'espace, ils mettaient l'étendue. À la place du mouvement, ils mettaient l'action. Et au centre, à la place du sens, la conscience. Et la comparaison entre les deux est très fortement à leur avantage. La durée, l'étendue, l'action et le sens se mesurent plus aisément que le temps, l'espace, le mouvement et le sens. Et c'est bien vrai. On voit quelqu'un se manifester grâce à la quantité, à la qualité de ses actions. Mais un mouvement X ou Y, ça n'a pas de valeur. Il en va de même dans certaines parties de la physique moderne qui ne peut pas travailler parce que les mathématiques ne sont pas adaptées.
Donc, on voit que ces éléments sont accouplés sur un triangle. Ça, ils ont comparé le triangle précédent avec notre forme fonctionnelle d'intelligence. D'un côté, la mémoire pour le passé, l'attention, la vôtre, pour le présent, et l'imagination pour le futur. Parce que vous ne pourrez reconstruire les manques de la mémoire que par l'imagination. Ça s'appelle, en réalité, plus exactement l'intuition, et ce mot devrait être installé au centre de ce triangle. Vous avez donc, du point de vue organique, tout simple, le passé avec une naissance, le présent avec une croissance, et le futur avec une extinction. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la nature du temps lui-même est multiple. Il y a ce qui est dans le temporel, il y a ce qui est dans le perpétuel. Ça a duré un certain... Ça a commencé à un certain moment et ça s'étendra jusqu'on ne sait où, mais très longtemps. Et il y a l'éternel, très différentes qualités. Et il reste encore à déterminer le temps linéaire, le temps cyclique et l'intemporel, c'est-à-dire la chose qui se perpétue d'elle-même en permanence et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire entre chaque personne, on ne voit pas la vie qui existe, mais elle est pourtant ici, comme si elle était collée au temps. Au-dessus du temps et de l'espace, chers amis, il y a quelque chose qui coordonne cela et qui contraint tout ça, c'est l'ordre. Pour les anciens, ce mot « ordre » était seulement gardé pour la divinité créatrice. Parce que tout ordre, en effet, procède de l'observation des choses de la nature. Et il y avait, comme ici, trois pointes à observer. La première pointe, c'est l'ordre, qui est une injonction impérative. C'est un ordre. Il y a l'ordre qui est l'enchaînement des choses successivement et hiérarchiquement. Et le troisième qui a donné le verbe adorner, qui est l'ordre supérieur, c'est l'harmonie elle-même. Nous, on dit harmoniser, eux disaient adorner, et ça faisait référence à l'ordre. Et là-dedans, il y avait le or qu'on a vu tout à l'heure, inaltérable, ce métal. Et ils en ont tiré la chose suivante. Pour l'homme lui-même, il y a l'esprit, qui est un, comment dire, qu'on ne peut pas fractionner, qui nous est offert. Il y a le corps qui, lui, va disparaître. Et il y a l'âme au milieu. Il y a la partie de l'âme dite intellective chez les anciens qui va aller supposément du côté de l'esprit, c'est-à-dire des choses transcendantes, intemporelles, et l'autre, l'âme qui consomme les choses corporelles et qui mourra avec. C'est là-dessus que se sont fondées les religions, c'est-à-dire on peut dire que la notion de temps et de création sont fondamentalement liées dans le monde des religions. Alors, tous les phénomènes que nous observons sont cycliques, depuis les cycles météorologiques, biologiques et géochimiques jusqu'au cycle géologique, et il doit en être ainsi de toute chose, dit Albert Dauvilliers dans les hypothèses cosmogoniques, etc. Cels, qui était un anti-catho très ferme, je le ferai reparaître d'ailleurs, c'est chouette, affirmait « Les choses roulent suivant l'ordre immuable des cycles ». Alors ça, c'est Carl Sagan, c'est un homme qui est décédé il y a quelques dizaines d'années, qui était un astrophysicien américain très en vogue. Il disait « Il y a des cycles en toutes choses. Il y en a dans la météo, l'économie, le soleil, la guerre, les formations géologiques, les vibrations atomiques, le climat, les humeurs humaines, les mouvements des planètes, les populations d'animaux, l'apparition des maladies, le prix des marchandises et les actions en bourse, ainsi que dans tout l'univers. La chose est réglée. Nous sommes assujettis à un monde temporel cyclique. » Pour quelles raisons ? Il y en a sept que je vais énoncer. 1. La forme de l'espace-temps est le moule déterminant toutes les formes naturelles de la matière. Et la spirale est une forme spontanée la plus commune dans la nature, peut-être à cause de la forme du moule, c'est-à-dire le temps. C'est ainsi la plus répandue dans l'univers, tant pour les formes les plus vastes comme les galaxies que pour les plus petites, invisibles à l'œil nu. La spirale détermine la forme de notre galaxie, la Voie lactée, ainsi que de toutes les galaxies spiralées. L'orbite de chaque planète adopte une forme spiralée dans sa révolution autour du Soleil, et non pas un cercle, puisque le Soleil se déplace vers la constellation d'Hercule. Donc, fatalement, la Terre qui le suit ne fait que dessiner une vaste spirale, très allongée. Les systèmes atmosphériques prennent souvent une forme spiralée. Les cyclones, les trombes et les tornades, on l'a vu en image tout à l'heure. Un vortex en spirale se forme quand on vide un évier. Ça, je pense que tout le monde a l'expérience de cela. Et l'eau tourne dans le même sens que les cyclones, car cette forme de vidange est contrainte par la loi de Coriolis. Qui connaît bien la loi de Coriolis, qui pourrait nous l'énoncer là-bas ? Allez, dans le micro et fort.
Non? Oui, c'est en effet, oui. Ça n'est pas à cause. C'est une loi générale qui fait que lorsqu'il y a sur une sphère un seul mouvement, il y a une action et une réaction opposables par hémisphère. On ne va pas rentrer dans le détail. Simplement, c'est pour dire que c'est une force physique qui contraint tout. La septième raison, c'est beaucoup de graines, comme celle du tournesol ou de la pomme de pin, sont disposées en spirale. D'autres ont une forme qui les fait chuter en spirale, comme certaines graines d'arbres que vous voyez à l'automne. Tout, 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 ça tombe comme un hélicoptère. En huitième, la forme de la coquille de nombreux coquillages marins, ou non, est une spirale. Et en neuf, l'ADN lui-même, on l'a vu tout à l'heure, qui porte le devenir des espèces, quelles qu'elles soient, à une structure en spirale. On voit que la structure spirale est naturelle parce qu'elle mélange un mouvement circulaire et un mouvement linéaire. C'est pour cette raison. Donc c'est la chose dite sexuée qui l'emporte dans le temps, parce que le temps, par conséquent, est polarisable. Or, toutes ces spirales ne se sont pas formées instantanément. Il a fallu du temps pour développer une galaxie, du temps pour former un cyclone, du temps pour façonner un coquillage. C'est le temps, et le temps seul, qui transforme en spirale la révolution elliptique d'une planète autour de son étoile. Comme l'étoile elle-même suit son mouvement propre, l'ellipse planétaire se transforme en spirale, ou plutôt en hélice. Et c'est intéressant, on va le voir tout à l'heure, parce que l'hélice a été figurée directement par les Grecs notamment, dans les fonctions solaires. L'hélice est une spirale particulière qui conserve le même rayon à chaque spire. Ainsi, la chaîne d'ADN est-elle une double hélice, exactement comme l'escalier du château de Chambord, un escalier en hélice double aux rampes et balustres sculptés dans le tuffeau de Loire. J'attire votre attention parce que très fréquemment, dans les édifices, jusqu'à à peu près la Révolution française, sont inscrites ces lois générales, mais sous forme muette, parce que la nature ne dit pas les choses, elle les signifie. En conséquence, lorsque vous visitez des édifices, vous pouvez être quasiment assuré que les représentations sont figuratives de lois générales, parce que le monarque qui s'y promenait devait, en quelque sorte, assurer la pérennité de ces lois par sa présence, son rayonnement, sa vie même. C'est pourquoi il y avait l'expression « le roi se meurt, vive le roi ». En réalité, il n'avait pas de fin ni de début, puisqu'il ressemblait à la création elle-même. Vous voyez le roi soleil et analysez sa création majeure, au moins encore de nos jours, à savoir le château de Versailles. Versailles, c'est ver, V-E-R, c'est our, la lumière, c'est le latin qui désigne le printemps. Et saille, c'est le verbe saillir, c'est-à-dire engendrer, mettre au monde. Donc il n'a pas choisi n'importe quoi, n'importe où. Qui plus est, c'était un marais. Or, la ville de Paris a été constituée sur un marais. On a d'ailleurs le quartier du Marais. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens désignait la vie elle-même naissante par la déesse Isis, qui était la reine des marais, entre autres. Une spirale régulière, probablement la plus répandue dans la nature, permet de tracer ce qui est appelé un rectangle d'or, qu'on appelle spirale d'or ou spirale de Fibonacci. Tout à l'heure, vous avez vu une spirale faite de carrés, mais on peut en faire de toutes les figures, triangle, carré, rectangle, trapèze, etc. Cette spirale reproduit les nombres de la suite de Fibonacci qui détermine la proportion dorée que l'on trouve partout dans la nature et qu'ont tenté d'exploiter les architectes antiques. Et en reproduisant fidèlement la suite de Fibonacci, la spirale d'or décrit un rythme particulier. Ce rythme semble être la forme du temps, ce que je vais essayer de montrer. Déjà, cette chose est inscrite sur le site même des grandes pyramides. L'intérêt de cette image, c'est de montrer qu'on ne peut pas le percevoir si on ne voit pas l'ensemble du haut. C'est seulement l'intuition qui s'aperçoit, tiens, c'est bizarre lorsqu'on figure l'ensemble qui tient les pyramides. Alors remarquez, comme je suis une nullité considérable en termes d'image numérique, que c'est assez mal fait. Donc ça a été refait correctement en bas, mais ça correspond très bien. C'est à moins de 30 cm près, hein, quand même. Et il est difficile de savoir à quel point c'est précis, tant que la Grande Pyramide ne sera pas reconstituée sur ses bases d'origine. Mais on voit quand même que l'essentiel tient dans cette figuration. À savoir, regardez bien, c'est la dernière partie, c'est le carré. Et la relation entre un angle et une tranche de cercle, c'est la polarité dont je parlais tout à l'heure et qu'on évoquera dans la deuxième partie. En observant attentivement et régulièrement le ciel, on constate que tout y semble tourner cycliquement. Les planètes autour du Soleil, la Lune autour de la Terre et les étoiles autour de l'étoile polaire. En considérant attentivement ces mouvements dans la durée, on remarque qu'ils sont d'une très grande régularité et que ce qui bouge revient précisément à certains endroits à certains moments ou avec un écart léger, plus ou moins régulier.
Ainsi, dans le ciel, tout semble soumis à des cycles, les plus courts encastrés dans les plus longs, du plus rapide au plus lent. L'étoile polaire elle-même, qui paraît être le seul point fixe du ciel, se promène cependant, elle aussi, en un minuscule cercle et dans un mouvement à peine perceptible, d'une durée moyenne évaluée à plus ou moins 26 000 ans. C'est le fameux cycle de précession des équinoxes. Et cette période, donc, est variable elle aussi. Tous ces cycles sont des mouvements apparents, parce que vu et observé de la planète Terre uniquement. Mais chaque planète reproduit, si je puis dire, ce type d'observation, et chacun a sa précession des équinoxes. Lorsqu'on s'intéresse aux étoiles, le S a disparu là-bas, apparemment fixes, qui semblent se déplacer en bloc, on s'aperçoit cependant qu'elles sont décalées dans l'espace comme dans le temps, dès lors qu'on se pose la question de savoir combien de temps met leur lumière pour nous parvenir à travers l'espace. Ainsi naît, très naturellement, la notion d'espace-temps, l'espace comme image de la durée encastrée dans une vitesse. La relation entre ces trois vecteurs, espace-temps-énergie, ne tarde donc pas à s'imposer d'elle-même spontanément. À propos de l'espace, du mouvement et des nombres, Blaise Pascal, que vous connaissez au moins de réputation, écrivit « Ces trois choses qui comprennent tout l'univers ont une liaison réciproque nécessaire. Le temps même y est aussi compris. Cependant, quoi que l'on en pense, au-dessus du vertigineux espace du ciel et des abysses prodigieux du temps, qui s'écoulent dans des rythmes énergétiques, s'impose un ordre souverain qui a dû précéder le temps et l'espace eux-mêmes. Donc l'ordre existait avant l'hypothétique Big Bang. » Et cet ordre apparaît, lui, totalement fixe. Dans l'ancienne Égypte, l'année était composée de 360 jours, ce qui est probablement la source et l'origine de la division du cercle en 360 degrés, ou l'inverse, auquel s'ajoutaient 5 jours dits épagomènes, pendant lesquels, disent les égyptologues à la suite des textes, naissaient et renaissaient les dieux. C'est sur cette année que s'appuyaient les sacerdotes pour comparer l'homme au cosmos, c'est-à-dire pour retrouver les correspondances entre le microcosme, l'homme, et le macrocosme, l'univers, si l'on s'en tient évidemment à la terminologie grecque. D'après l'historien Guthrie, Démocrite d'Abdère, 5 siècles avant notre ère, est le premier grec connu pour avoir appliqué à l'homme le terme de microcosme. Évidemment, il avait étudié 22 ans en Égypte, il se pouvait qu'il ait fait l'emprunt. Démocrite allait étudier en Égypte pendant 22 ans. Quant à Proclus, dans son commentaire sur le Timée, ouvrage de Platon, il fait donc suite à Platon qui allait étudier, lui, 13 ans en Égypte pour affirmer « Le monde est un microcosme et tout ce qui est dans le monde sous forme de divine et totale se retrouve partiellement dans l'homme ». Donc on sait, et c'est là à travers de la science moderne, que l'homme appartient au cosmos et qu'il reflète les éléments constitutifs du dit cosmos. On verra ça tout à l'heure. Quant à l'alchimiste Olympiodore, 3e siècle, il explique « Hermès suppose que l'homme est un petit monde lorsqu'il dit « Tout ce que possède le grand monde, l'homme aussi le possède ». On voit cette jonction entre l'individu humain, en général, et l'univers d'où il procède. Voici donc quelques comparaisons analogiques à l'ancienne entre l'homme physiologique et le ciel cosmologique. C'est déroutant, certes, mais étonnant et probablement utile à approfondir. Accrochez-vous. Une année précessionnelle est égale à 25 920 ans, selon Platon. Or, l'homme respire environ 18 fois par minute, soit 25 920 par jour. La durée du cycle de la nutation terrestre, c'est le balancement de la Terre et de la Lune conjointes, c'est à peu près 18 ans et 6 mois. Donc, c'est ce balancement lié à des perturbations gravitationnelles est de 18 ans, comme le nombre moyen de respiration de l'homme en une minute. Un mois de 30 jours est constitué de 2 592 000 secondes, c'est-à-dire le nombre d'années du cycle précessionnel multiplié. Et les 72 ans de 360 jours d'une vie moyenne font 25 920 jours. On voit donc qu'il y a des correspondances quantitatives au moins, alors que qualitativement, elles étaient affirmées dans l'image précédente. Un degré de l'année précessionnelle est égal à 72 ans. 72 ans par 360 degrés, effectivement, font 25 920 ans. Soit la durée moyenne de l'existence humaine, les 72 ans. Le cœur humain bat environ 72 fois par minute, 18 fois 4, 18, c'est les respirations, multipliées par 4, ce fameux carré de tout à l'heure, l'ensemble faisant 72. C'est-à-dire que le cœur humain bat 3 110 400 fois par mois. Or, l'année est constituée de 31 104 000 secondes. On voit le lien entre ces deux nombres qui sont multiples décimaux l'un de l'autre, celui-ci et celui-là.
soit 10 fois ce nombre. Les 120 années de vie offertes par Dieu à l'homme dans la Genèse font 43 200 jours, et en 12 heures s'écoulent 43 200 secondes. Les 72 battements du cœur humain par minute font 4 320 battements par heure, soit 43 200 divisé par 10. On voit que les 43 200 sont déjà sous-entendus parce que la durée de 2 heures processionnelles successives est de 4 320 ans, et 5 jours comptés en secondes font 432 000 secondes, etc. Donnons un autre exemple de ces incongruités traditionnelles. Selon le Sapata Brahmana hindou, le nombre de syllabes du Rig Veda, qui est un écrit sacré, ancien, est de 432 000, égalant ainsi le nombre de secondes en 12 heures et le temps de sa récitation. Vous allez noter que c'est équivalent à ces 432 000, c'est 43 200 de la valeur qui était énoncée tout à l'heure ici même, les battements de cœur en une heure. Et le temps de sa récitation. On ne s'étonnera guère après les avoir médités, On ne s'étonnera guère après avoir médité ces quelques relations ou rapports que le grec Protagoras ait pu laconiquement et péremptoirement affirmer « L'homme est la mesure de toute chose ». En outre, la vitesse de la lumière est exactement 18 fois plus grande que la vitesse du soleil quand il se déplace vers la constellation d'Hercule. Or, chez les anciens, vous devez le savoir, notamment les Égyptiens, l'or et le cœur humain étaient désignés comme le soleil, par une figure, un cercle avec un point dedans, un essieu peut-être. Selon les Puranas, autre ouvrage ancien des hindous, la création et la destruction partielle de l'univers s'opèrent selon des cycles de 8,64 milliards d'années. Déjà, ils pratiquaient les très grands chiffres. On ne sait pas comment les anciens sages de l'Inde ont pu faire pour savoir cela et avec tant de précision, à moins, il manque un N, d'avoir eu accès à des archives au moins anciennes de cette durée. Mais auquel cas, où et par qui fut-elle tenue? Après chacun de ces gigantesques cataclysmes, le calme revient et la vie prend de nouveau son essor. Au moins, c'est ce qui est dit dans ces ouvrages anciens. Dans les livres, toujours, Surya Siddhanta et Brihaspatika, des auteurs restés inconnus, utilisent des unités de temps vraiment étranges. Le jour y est divisé en 60 kalas ou gatika, valant donc 24 minutes, subdivisé en 60 vikalas, 24 secondes chacun, eux-mêmes divisés en para, tatpara, vitatpara, ima et kashta. Ce dernier équivalent à 0,00000003 secondes, c'est-à-dire quelque chose qui est très très largement inférieur à toute expérience temporelle possible pour un homme. C'est 300 millionièmes de seconde, valeur très proche de la durée d'existence de certains maisons et Hyperion. Il faudrait répondre aux mêmes questions en ce qui concerne les Hébreux. La plus petite mesure de temps, dont on ne parvient ni à imaginer l'utilité ni le moyen de calcul qui permet de l'évaluer, s'appelle le Hekel et vaut environ 1/45 de seconde. Comment on cadence ça, mystère? Donc ça se trouve dans les ouvrages, mais personne, évidemment, ne les cite, ça ferait désordre. Chez les Sumériens, on trouve une tablette portant le nombre suivant, c'est-à-dire un nombre qui n'a été apprécié qu'au XVIIe siècle, et on commença seulement à cette époque en Europe à s'intéresser à de tels nombres. Mais on ne connaît aucun usage de ce type de nombre. Pour revenir aux hindous anciens, leur panorama du temps allait du Trutis de 8/45 de seconde au Yugra Brahma, période équivalente à, je vous laisse lire, soit un nombre de 22 chiffres sur lequel les astrophysiciens et les astronomes n'ont rien à dire, pas plus que moi d'ailleurs. Maintenant, entrons dans le temps des pyramides. Vous savez que c'est mon dada favori, enfin presque. Et on va voir. Donc, cette grande pyramide, au dire des archéologues et des égyptologues, serait née 26 siècles avant notre ère. Et les estimations, ce sont des estimations. Il y a quand même des discussions là-dessus. Donc elle aurait vécu au moins 46 siècles, c'est-à-dire au minimum le double de notre ère à nous. Mais cela, si l'on écarte tous les témoignages anciens relatifs à l'incroyable antiquité de cet édifice. N'est-elle pas le plus gigantesque des défis lancés à la face du temps? Comment peut-on savoir que les anciens s'intéressaient au temps concaténé à l'espace et à la vitesse, c'est-à-dire à l'énergie? En étudiant cette pyramide et en réalité tous les édifices anciens, tous inscrivent ces choses-là. Calculons d'abord le déplacement d'un point à l'équateur. Une journée de 24 heures égale 24 heures multipliée par 60 minutes multipliée par 60 secondes, soit 86 400 secondes. Si vous étiez attentif tout à l'heure, vous avez vu un nombre qui est la moitié de celui-ci. Mais n'allons pas trop vite. Le périmètre moyen de la Terre, c'est-à-dire 40 075,404 km, divisé par le nombre de secondes par jour, donne
vous avez remarqué ici, 0,46383 km secondes, c'est-à-dire 463 mètres et 83 centimètres. Or, ce nombre, divisé par 2, donne 231,91 mètres, qui est l'équivalent de 442,92 coudées, c'est-à-dire le côté de la Grande Pyramide de Gizeh, sur son radier. Le radier, c'est son socle, et cela à moins de 4 cm près, soit environ 1/6 d'écart. On voit que la précision ne leur fait pas peur, ces braves gens, et qu'ils s'attaquent à des dimensionnements temporels bizarres. Calculer la vitesse de la Terre, d'un point sur la Terre à l'équateur. Et ils l'ont fait. Ça suppose quoi ? Ça suppose qu'ils ont connu les dimensions de la Terre et évidemment calculé sa vitesse. Opérons maintenant avec la valeur du rayon terrestre donnée par Wikipédia, soit 6356,75 km, soit une demi-journée de 12 heures, 43 200 secondes. On obtient donc 6356,75 km divisé par 43 200 secondes égale 0,147146 km, soit 147,146 mètres. Ou encore 281,02 coudées, qui est la hauteur de l'édifice pyramidal sur son radier à 0,2 coudées près, soit 1 cm de différence ou 1/15. Donc ce sont des précisions auxquelles on n'est pas du tout habitué et qu'on obtient difficilement, même dans les laboratoires les plus solides. Ça représente moins de 500 mètres d'écart avec la dimension mesurée du rayon terrestre avec des moyens technologico-scientifiques contemporains. Vous voyez, moins de 500 mètres d'écart. On peut se douter qu'à l'époque de la construction de la dite pyramide, peut-être que la Terre était un peu plus serrée sur elle-même. On ne sait pas. Le périmètre de cette grande pyramide indique donc, sans exagération ou torsion de l'information de notre part, la distance parcourue par un point à l'équateur en une demi-seconde de temps, ce qui est une indication physico-astronomique précise. Autrement dit, cet étrange et singulier édifice indique avec précision la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même à l'équateur et directement dans une unité, dans nos unités dimensionnelles habituelles contemporaines, ce qui ne veut personne. Mais ça n'est pas tout. Nous pouvons donc soutenir que la Grande Pyramide de Gizeh représente, à sa manière, la Terre à l'échelle 1/43200, c'est-à-dire une division du temps plutôt que de l'espace, qui est une induction engageant à associer des mesures dimensionnelles en mètres et ou coudées à des mesures temporelles en secondes, et ce, de manière magistrale autant que discrète, au moins 27 siècles avant notre ère. Comment les bâtisseurs de la Grande Pyramide ont-ils fait pour mesurer la Terre avec tant de précision ? On ne le sait pas, mais on ne peut échapper à une conclusion. Ils l'ont fait, ou on l'aura fait pour eux, et avec une précision quasi parfaite. Ce qu'avait déjà découvert Alexis Jean-Pierre Poqueton, mathématicien correspondant de l'Institut. À l'époque, donc, il s'est fait couper la tête. Il a perdu une dimension considérable. Donc, métrologie ou traité des mesures, poids et monnaie des anciens peuples, où l'on traite de l'utilité des étalons inaltérables pris dans la nature, de l'avantage d'une mesure universelle, du calcul décimal. On fait voir qu'une mesure universelle prise dans celle d'un degré de méridien ne serait pas moins parfaite que celle qu'on réglerait sur la longueur d'un pendule à seconde. Et on prouve que les anciens avaient un étalon naturel de mesure pris dans la grandeur du degré de méridien, et que dès les temps les plus reculés, avant la fondation de Ninive, de Babylone et des pyramides d'Égypte, la circonférence de la Terre avait été mesurée aussi exactement qu'elle l'a été dans ce siècle. Paris, 1780. Vous voyez quand même que j'ai des prédécesseurs et je vais peut-être moi aussi être enfoui dans le silence plombé de l'officialité. À présent, intéressons-nous au volume de la Grande Pyramide. Formule du volume de la Grande Pyramide, côté au carré multiplié par hauteur divisé par 3. Soit, et je fais le détail, le résultat c'est 2 593 827,10 mètres cubes. Ce nombre exprimé en mètres cubes semble donc renvoyer pour nous à la valeur moyenne de l'année précessionnelle ou grande année de Platon. Nous pouvons sans abuser imputer cet excédent, puisque c'est 25 920 ans à multiplier par 10, au fait que nous n'avons pas soustrait les vides de la pyramide constitués par les couloirs et les chambres. Maintenant, on regarde la proposition qu'a faite Platon. Il dit 1 degré précessionnel est franchi en 72 ans, c'est-à-dire la durée moyenne de la vie humaine. Un mois précessionnel dure donc 2160 ans. Une année, 25 920 ans. Chez Hipparque, qui lui arrive quand même quasiment 300 ans derrière, c'est 78,26 ans pour 1 degré, 2347,8 ans pour le mois précessionnel, 28 173 pour l'année précessionnelle. Et de nos jours, les calculs des astronomes donnent 71,6 et non pas 78,26,
Ensuite, 2148 ans pour le mois précessionnel, 25 776 ans pour la durée du cycle précessionnel. Sachant quand même que cela est variable. Aucune dimension dans l'univers, quelle qu'elle soit, n'est réglée. Ça donnera l'idée de relativité. Donc il apparaît aussitôt que la valeur proposée par Platon à la suite des anciens Égyptiens est très nettement plus précise que celle proposée par Hipparque trois siècles après lui, et en outre, qu'elle est très proche des valeurs astronomiques actuellement en usage. Notez physiquement et intellectuellement, donc, indication de la durée de l'année précessionnelle moyenne dans le volume de la grande pyramide de Gizeh. On peut dire déguisée, hein, parce qu'on ne nous dit rien de ces choses-là. Donc volume pyramidal, on l'a. Et en mètres cubes, on l'a en coudées cubes, et ça se rapproche de 18 et quelque chose. Suivez mon regard. Et là, on a valeur de l'année précessionnelle moyenne, 25 930 ans. Pour Platon, cette valeur est de 25 920 années. Mais la valeur en mètres cubes, si on fait en décimètres cubes, ça nous donne 25 938. Et on est près de la valeur proposée par Hipparque. Maintenant, dire d'où viennent ces valeurs, étant donné que la durée de vie moyenne, 72 ans, ne suffit pas pour calculer ce déplacement précessionnel. Louis Albertelli écrit dans Le secret de la construction de la pyramide de Khéops. Alors, avant de se poser la question à quoi ça sert, ils ont toutes des théories sur la construction. C'est bizarre. Je le ferai ça dans le cinquième opus, et ça ne traînera pas. Voilà. Bon. Il dit ceci, volume total de la pyramide achevée, 2 592 000 mètres cubes, c'est-à-dire très précisément la valeur en année du cycle précessionnel selon Platon, mais multipliée par 100, ce qu'il ne voit pas plus d'ailleurs que Christiane Ziegler, que j'avais rencontré, spéciale cette dame, ex-responsable du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, et l'architecte bien connu, l'architecte du CNRS, Jean-Pierre Adam, le promoteur de la célèbre brosse à dents, qui donne une valeur approchée dans leur dernier livre, soit 2 592 100 mètres cubes, la valeur proposée par Platon multipliée. Voilà. Donc c'est bien la chose qu'il fallait noter aujourd'hui. Remarque, l'angle d'inclinaison, c'est-à-dire l'angle de pente de cette grande pyramide, vous prenez ses faces et vous calculez l'angle par rapport à l'horizontalité terrestre, est de 51 degrés 864 centièmes. Quand on divise ce nombre par 2 et l'on débarrasse de ses unités de mesure, ça fait 25 932, ce qui rappelle autant la mesure du volume de la Grande Pyramide que celle temporelle de la grande année précessionnelle moyenne, estimée 25 920 ans par Platon. Curieux, mais il y a mieux. Henri Stierlin, lui aussi architecte, signale dans son ouvrage « Les pharaons bâtisseurs », ça c'est une légende, les pharaons n'ont absolument rien bâti, mais on en viendra à le démontrer. Pharaon, c'est un mot grec, hein, vous ne le savez pas parce qu'on ne le vous dit pas. Pharos, en grec, c'est celui qui porte, et on, en égyptien, c'est le soleil. Donc c'est lui qui porte la splendeur, la luminosité, le rayonnement, etc. Bon, passons. Par ailleurs, le fait que le volume de la grande pyramide de Gizeh est 10 fois celui de la pyramide à degrés de Djoser à Saqqara, c'est-à-dire la première pyramide selon l'égyptologie. Étrange coïncidence. Donc lui, il le fait à peine remarquer, personne ne s'en soucie, mais la grande pyramide a son... une évidence dans la première, entre guillemets, à celle de Djoser à Saqqara, la fameuse pyramide à degrés. Ça n'est pas tout, puisqu'il ne signale ni l'un ni l'autre, ni personne d'ailleurs, et ils ont oublié, hein, soi-disant, que la pyramide de Mykérinos, elle aussi, est le dixième du volume de son aîné, la grande pyramide dite de Khéops, soit pas 25 900 mètres cubes, mais 259 200 mètres cubes, expression de la valeur de l'année précessionnelle moyenne de 25 920 ans, multipliée par 10. Volume de Mykérinos égale volume de Djoser, celle de Djoser, et ajoutons que cette petite pyramide de Gizeh est-elle aussi octogonale comme la grande. Vous voyez qu'il y a encore de la matière et pour longtemps. De plus en plus étrange, le nombre de jours de l'année précessionnelle moyenne apparaît globalement analogue au nombre de kilomètres parcourus par la lumière en une année selon la valeur fournie par la grande pyramide. Donc on est dans le délire. Le lien espace-temps, là, il est affirmé très profondément et de manière élargie à des quantités épouvantablement petites, la vitesse de la lumière dans une seconde est épouvantablement grande, le cycle de précession. Et ces calculs sont relatifs à la Terre elle-même, d'un côté par la précession et à l'univers lui-même par le côté lumière. Donc, on prend le calcul. Mesure pyramidale de la vitesse de la lumière égale 299 796,2 par seconde. D'où 60 secondes multipliées par ce nombre égale, etc., jusqu'à trouver
en termes finis, si je puis dire, le nombre qui se lit également de droite à gauche, 365,2563 jours multiplié par 25,902,391,000 kilomètres égale le nombre de kilomètres parcourus en une année par la lumière est égal au nombre de jours de l'année précessionnelle. Bizarre. Et ça, c'est la démonstration totale que vous pourrez regarder dans votre vidéo favorite, puisque ça entrera évidemment dans les vidéos de la série « La science des anciens ». Donc c'est très précis, est en relation avec une durée moyenne et éventuellement avec une vitesse de la lumière non constante, ce que j'expliquerai dans les films. Et un léger courant d'air agréable. On peut se demander pourquoi ces valeurs exprimées dans le système géométrique euclidien, c'est-à-dire d'espace plat et ordinaire et terrestre, pour simplifier, seraient-elles représentatives de valeurs dites relativistes obtenues dans des systèmes géométriques non euclidiens, c'est-à-dire d'espaces courbes et spatiaux, pour simplifier. Selon nos inévitables détracteurs, les trolls, les modèles de l'ignorant, cette simple remarque pourrait à elle seule faire s'écrouler ma construction, évidemment taxée d'imaginaire, de fantasmatique, et pour cela d'une extrême fragilité et bien sûr d'une profonde débilité. Je laisse répondre le physicien, philosophe et mathématicien que j'aime beaucoup, Henri Poincaré, qui a déjà eu le malheur de se faire piller par Albert. Donc, Henri Poincaré, dans La science et l'hypothèse, je vous le dis, lisez ce bouquin, c'est très accessible. Il déclare ceci. Une géométrie ne peut être plus vraie qu'une autre. Elle peut seulement être plus commode. Or, la géométrie euclidienne est et restera la plus commode. Et ça, c'est souligné dans le texte d'origine. 1. Parce qu'elle est la plus simple. 2. Parce qu'elle s'accorde assez bien avec les propriétés des solides naturels, ces cordes dont se rapprochent nos membres et notre œil, et avec lesquelles nous faisons nos instruments de mesure. Il y aurait une troisième version, mais vous l'apprendrez dans les films, parce qu'elle est extraordinaire, il faut la garder. Par ailleurs, comme le soulignait Blaise Pascal, nous voyons par expérience qu'entre esprits égaux et toutes choses pareilles, celui qui a de la géométrie l'emporte et acquiert une vigueur toute nouvelle. Étudier la géométrie, ça n'est pas compliqué, c'est très rentable. Vous ne ferez pas gruger sur la surface d'un appartement à acheter, d'un jardin, etc. Ce qui est tout de même important si l'on prend en considération l'opinion de Galilée. La géométrie est l'alphabet dont Dieu lui-même se sert pour écrire l'univers. Alors maintenant, la lumière, cette référence multiple. La différence de périmètre entre le cercle inscrit dans le carré de base de la Grande Pyramide et celui où elle s'inscrit est égale à la vitesse de la lumière, ici exprimée en mètres par millionième de seconde. Oui, certes, va-t-on nous opposer, mais dites-nous ce qui vous autorise objectivement à dessiner puis à mesurer ces deux cercles qu'on ne voit pas, l'un inscrivant la Grande Pyramide, l'autre étant inscrit en elle. Ce qui nous y autorise, c'est très simple, c'est le plan des lieux lui-même, une découverte encore facile. Vous savez, ou vous ne savez pas, qu'en 1954, et par hasard, l'égyptologue Kamal Malak découvre, par le plus grand des hasards, donc, des fosses à bateaux situées à l'est et au sud de l'édifice géant, la grande pyramide dite de Khéops. Ce que vous voyez ici, c'est fosses à bateaux qui sont considérables. Rappelez-vous, ça, c'est 230 mètres. Ça, c'est 50 mètres quasiment. Il y en a deux autres derrière qui ne sont pas montrés, mais qui ont donné lieu à une construction particulièrement laide et qui se visitent avec des gros sous. Bon. Personne n'a à ce jour fait remarquer comment et en quoi ces barques sont étroitement rattachées à l'édifice pyramidal. Et pourtant, c'est une évidence. Vous avez les trous en question, ici, sont protégés, on trouve de tout là-dedans, et c'était très bien fait puisqu'on les a remarqués, mais au dernier moment, si je puis dire, des recherches. C'est au pied des pyramides, personne ne voit que sous le sable, il y a des constructions très fortement réalisées en pierre, là encore. Regardez, c'est simple. Le carré ici, que vous voyez, ce carré-là, c'est le bord de la Grande Pyramide. Là, ce sont les fosses à bateaux du sud. Et vous remarquez qu'elles sont ici, attrapées par leur centre, ces fosses, par un cercle dont le périmètre est égal au périmètre de la Grande Pyramide. Ça commence bien. Et quant à celle de l'est, ici, c'est par le périmètre inscrivant la Grande Pyramide. Donc il y a deux propriétés. Maintenant, le cercle inscrit dans la Grande Pyramide elle-même, et à la différence de ces deux cercles, c'est ça ce qui va nous donner la vitesse de la lumière exprimée en mètres par millionième de seconde. J'espère que tout le monde a bien saisi. Donc l'intérêt, c'est de savoir que cette idée de bateau, on dirait une nef en français ancien,
C'est l'inverse qu'on appelle le palindrome de l'égyptien Phen, qui signifie s'engendrer soi-même. Donc on a bien là le fait qu'il y a de la géométrie à la base de la conception de tout le site de Gizeh. Et donc ces deux cercles, en rouge celui qui inscrit la grande pyramide et en bleu celui qui est inscrit dans la grande pyramide. La différence en mètres de ces deux périmètres va nous donner la vitesse de la lumière ainsi formulée. 299 mètres 796, etc. Ou encore 299 796, etc. 20 millimètres. Donc ce qui nous intéressera, c'est de retenir que cet édifice particulier recèle la vitesse dite universelle. Bon, et là je vais faire une parenthèse pour démonter un petit peu le moral des physiciens entièrement englués dans la relativité. J'explique très brièvement. Ce que je reproche à l'exposé de la relativité, c'est d'avoir substitué à l'éther qui a été foutu dehors une vitesse fixe de la lumière, la vitesse de la lumière. C'est débile. C'est pour ça qu'on ne fait pas de progrès en physique. Ça, c'est le premier problème. Et d'autre part, c'est de faire fonctionner cela dans un univers vide, alors que de l'autre côté de la physique, dans le monde quantique, on sait très bien que l'univers est totalement plein d'énergie. Donc ces deux choses vont virer aux alentours du quatrième film, si toutefois la chose s'avère possible, et ça sera évidemment explicité dans le détail avec l'intervention de physiciens du même calibre que celui que vous avez vu, Jean-Louis Badevant, 35 ans d'enseignement à Polytechnique, une belle école bien de chez nous, etc., donc qui avait bien dit que lui, au vu de ce qu'il avait pu constater qu'on lui avait fait connaître de la Grande Pyramide, c'était improbable que ce soit dû au seul hasard, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, alors, la valeur actuelle adoptée en 1957 et qui a été modifiée récemment par des valeurs physiques qu'on ne comprend pas à la lecture, évidemment, ça permet de noyer le poisson, elle est avouée pour plus ou moins 400 mètres par seconde, c'est-à-dire une incertitude quand même considérable. La différence entre la vitesse de la lumière actuellement calculée et celle donnée par la Grande Pyramide est de l'ordre de 1,80 millième de différence par seconde, c'est-à-dire 3,7 km. En réalité, c'est une forme de l'élasticité qui sera expliquée dans les films ultérieurement. Et je ferai intervenir les frères Bogdanov pour me moquer d'eux, un peu comme Jean-Pierre Adam servait de repoussoir. Vous verrez très bien. S'ils veulent bien, parce que ce n'est pas facile à tenir comme rôle. Enfin, c'est leur rôle naturel, mais quand même. Bon, il fallut attendre l'année 1730 pour que l'horloger Pierre Leroy fabrique le premier chronomètre comptant les secondes. Déjà, les Égyptiens étaient très bons, 2600 plus 1700, ça fait quand même de l'avance. Allez, quant au calcul de la vitesse de la lumière, il ne fut précisément réalisé qu'au début du XXe siècle. Qui est le premier à avoir donné la vitesse de la lumière ? Rumeur. C'est un Hollandais. C'est pas grave. Donc, notez que l'on remet en doute de plus en plus souvent la valeur dite exacte de cette dernière. La vitesse de la lumière est en effet mise en doute. Sujet d'étonnement non moindre, ces étranges révélations entrent toutes dans le système référentiel international actuel de la physique, système appelé MKSA, soit mètre, kilogramme, seconde et ampère, les quatre valeurs métrologiques de référence, ou les quatre phases de la physique à l'égyptienne, notion pyramidale évidemment. C'est probablement pour ces diverses raisons que la grande pyramide de Gizeh portait depuis très longtemps le surnom d'Arkout, la lumineuse, à moins de considérer que la hauteur métrique totale, hauteur plus le radier, c'est-à-dire le socle, soit 281 coudées en tout de cette grande pyramide, multipliée par 1 000 000, indique la plus petite distance de la Terre au Soleil, qu'on appelle le périhélie, en kilomètres. En effet, le 24 décembre de chaque année, au moment où vous mettez des cadeaux dans les chaussettes sous le sapin, à ce moment même où l'on fête Noël, la Terre est à 147 103 311 km de son étoile, le Soleil, anagramme de isolé et de hélice, comme j'allais laisser entendre tout à l'heure. C'est Soleil, isolé et hélice font partie de ce mot, notamment en grec, c'est Helios, le Soleil. Donc on voit que le périhélie a été désigné par la hauteur de la Grande Pyramide plus son radier, alors que le rayon de la Terre, c'est la hauteur de la Grande Pyramide moins son radier. Et vous verrez dans le deuxième film que les relations sont toutes équivalentes en coudées, en kilomètres et en constantes dans notre système solaire. Et ça va faire très mal.
Déjà ça, je ne peux pas vous dire à quel point ça va déstabiliser, mais c'est fort. Hein. Le périmètre orbital de la Terre, on continue toujours dans l'étrangeté, autour du Soleil donc, est de 900... Vous le lisez, hein. Ce chiffre divisé par pi a pour résultat, tiens, le même chiffre que celui de la vitesse de la lumière exprimé en millimètres secondes. Quelle étrangeté quand même. Quelqu'un aurait-il mis la Terre à cet endroit précis où nous aurait donné des dimensionnements, des unités de dimension qui soient en corrélation avec ces choses-là, qui se sont, attention, des déplacements seulement, c'est-à-dire des vitesses par rapport à des parcours. Ainsi, vu d'une autre manière, la valeur du périhélie, c'est-à-dire le petit cercle ajouté à celle de l'aphélie, le grand cercle, puisque en effet la Terre ne tourne pas dans un cercle autour du Soleil, mais dans une ellipse, eh bien donne le diamètre moyen de l'orbite terrestre autour du Soleil et est la figure de la distance parcourue par la lumière en une seconde, constante physique universelle déjà rencontrée dans la Grande Pyramide de Gizeh. Et il reste pour finaliser la chose et la bétonner, cette anomalie, puisque cette vitesse est donnée non plus en kilomètres secondes maintenant, mais par des degrés d'angle par rapport à notre méridien d'origine. Le méridien d'origine dit de Greenwich, c'est-à-dire des sorcières vertes, bienvenue les sorcières, eh bien... Il a été imposé au monde par John Dee, qui était un mathématicien expert, ami de l'autre mathématicien à qui l'on doit la projection dite de Mercator. Ils étaient amis, Gérard Mercator et John Dee. Et ils ont choisi ce méridien pour des raisons très particulières. Et ils ont soustrait à la France le méridien de Paris. Mais ça n'est pas pour cette raison qu'il faudrait abandonner le méridien de Paris. Petite parenthèse. Donc vous voyez qu'à l'endroit où se situe le sommet là, superstructure de la chambre haute, en granit pour elle, on trouve l'indication en degrés, 29 degrés, 979 000, par rapport. Bon, ça, c'est encore une bizarrerie. Quant au 31-13, vous le verrez évoluer avec la considération relative au méridien de Paris. On va changer et on va trouver de plus en plus relatif. On peut lire dans le manuel d'instruction religieuse israélite, du grand rabbin Deutsch, vous voyez, je ne suis pas ce qu'on pense, que le Bereshit Rabba, c'est le nom d'un ouvrage inclus au Talmud, merci, Elohim, c'est-à-dire le nom de la divinité, parce que là, ils se disent eux-mêmes, les Israélites, monothéistes, mais Elohim, c'est un pluriel, et c'est ce nom qu'on trouve le plus régulièrement dans l'Ancien Testament, bon, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Torah. Elohim seul, au pluriel, donc, entre dans le temps. L'homme ne connaît ni les petites fractions du temps, ni même les heures. Elohim, eux, y entrent dans l'épaisseur d'un cheveu. Donc, dès cette époque, on a affaire à des gens, puisqu'ils sont au pluriel, la divinité unique étant ailleurs, elle travaille ailleurs, avec des capacités d'entrer dans le temps que tout le monde ne possède pas, et surtout pas les hommes. Ainsi, ne sera-t-on pas trop étonné de trouver parmi les données métrologiques hébraïques, et je l'ai dit tout à l'heure, la valeur du Helek, soit moins de 44 millièmes de seconde. Le pluriel de Helek, c'est Halakim. Bon, c'est pas grave. Et on trouve dans la Bible, dans les psaumes, car 1000 ans sont aux yeux d'Elohim, ce fameux pluriel, comme le jour d'hier qui est passé. Ben, on peut déduire que d'un jour de la création vaut 365 000 années terrestres et que par conséquent, la création s'est étendue sur une période de 2 555 000 années, ce qui représente la moitié de sa durée connue. C'est-à-dire, si on va dans le passé pour rechercher à quelle période commence l'organisation du vivant qui va mener à l'homme, c'est à peu près cette valeur, 5 millions et quelques d'années. Les hindous possèdent quant à eux des mesures du temps qui vont du trutis d'une durée de 8 45e de seconde, etc. Mais on l'a vu, ça. Ces valeurs sont étonnantes si l'on considère qu'il fallut attendre l'année 1730 pour... Maintenant, vous le savez à fond. En 1730 seulement, on connaît la seconde, mais avant, on se débrouillait avec des nombres de 23 chiffres. Et on se débrouillait avec des valeurs temporelles de 8 45e de... Qui a son téléphone et calcule 8 45e ? Merci. Le calendrier Olmeco-Maya aztèque, dont on a beaucoup parlé en décembre 2012... Tiens, le 21 décembre 2012, je recevais par Internet une indication rigolote. C'était par le biais de Patrice, quelqu'un qui nous avertissait que le film « La révélation des pyramides » était rentré au top 10. C'est sympa, je trouve. Alors, lorsque l'Espagnol Hernán Cortés parvient au Mexique en 1520, le calendrier Olmeco-Maya aztèque fut découvert plus précis et correct que le calendrier julien des Européens. Selon le calendrier astronomique de référence actuel, l'année moyenne solaire est formée de 365 jours, 242 198
jours pour le calendrier grégorien, etc. Calendrier Olmeco-Maya, voilà. L'indice de précision est 69 pour le nôtre contre 62 pour Olmeco-Maya aztèque, c'est-à-dire nettement supérieur, c'est 233% plus précis. Dans ce dernier calendrier, les dates semblables apparaissent seulement tous les 256 ans, soit environ tous les centièmes de la durée moyenne du cycle de précession des équinoxes. Là encore, il faut se demander si les Aztèques, Mayas, Olmèques et tout ça se tartinaient ce cycle. C'est le cas, semble-t-il. Évidemment, personne n'a fait remarquer, lors de la psychose de fin décembre 2012, fabriquée de toutes pièces pour épier nos comportements individuels et collectifs dans ce type de situation, et évidemment, cacher la fin du contrat de la Fed qui a été renouvelé spontanément, puisque personne n'y a vu rien du tout. Donc, maintenant, on va avoir des données précises et complètes. Vous connaissez au moins de nom la grande pyramide de Teotihuacan, c'est-à-dire, en grec ancien, la colline où sont venus les dieux. Eh bien, hauteur de cette pyramide, 63 mètres. Et vous notez que c'est en mètres, c'est-à-dire 9 fois 7. Côté 225 mètres, soit 9 fois 25 ou encore 15 au carré. Périmètre égale 900 mètres, soit un peu plus de 21 mètres, 3 fois 7, de moins que le périmètre de la grande pyramide de Gizeh. Or, 900 divisé par 63 égale 14,2857, 14,2857, c'est-à-dire une division par 7. Un nombre divisé par 7, tout le temps, il donne cette séquence-là. Et ce nombre, 14,2857, etc., multiplié par 7, égale donc 1. Et 225 divisé par 63, c'est-à-dire les valeurs du côté par la hauteur égale 3, 57, 14, 28, 57, donc division par 7. Et cette valeur, moins 2 et multipliée par 2, donne le nombre pi à 5 décimales. C'est chouette. En divisant la durée moyenne de l'année précessionnelle par la valeur du côté de la base en mètres, soit 25 920 ans divisé par 225 mètres, on trouve 115,2. Et c'est la valeur en mètres du demi-côté de la Grande Pyramide. Quand même assez précis, tout ce bazar. Mais qui fait que les Égyptiens et les Aztèques connaissaient les mêmes nombres astronomiques et avaient envie de construire de grands ouvrages, des édifices énormes, avec ce genre de choses incluses? Parce que quand on voit la grande pyramide de Gizeh, on voit des blocs taillés. Mais quand on voit la pyramide de Teotihuacan, ce sont des moellons qui sont, en quelque sorte, encastrés dans un béton. Tout ça, c'est rigolo. Pourquoi tout cela? Pourquoi faire cela ainsi? Et à quoi cela rime-t-il? N'est-il pas curieux, par ailleurs, de retrouver en Europe, en Chine et en Mésoamérique des aspects rigoureusement identiques? Dimensions en mètres, particularités géométrico-mathématiques, systèmes décimaux et duodécimaux, environnement culturel à base d'écriture hiéroglyphique, de serpents célestes, de savoirs anachroniques très élevés et originaux, de dieux fondateurs de royautés terrestres enseignant la vie éternelle, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le système solaire fait le tour de notre galaxie, la Voie lactée, en 250 millions d'années, années galactiques, on appelle cela. Dans ce temps, il oscille de part et d'autre du plan galactique selon une période de 2 fois 33 millions d'années. 33 millions d'années au-dessus du plan galactique et 33 millions au-dessus. Alors si c'est la galaxie ici, notre système solaire pendant 33 millions d'années, il est en dessous et 33 millions d'années au-dessus. Ça veut dire qu'il se balade de manière tangentielle, mais un petit peu penchée. Donc, c'est curieux parce que c'est période de 33 millions d'années constitue la durée moyenne des étages géologiques terrestres constatés. Ces étages sont définis d'après d'importants changements dans la faune et dans la flore terrestre, parfois dus à des cataclysmes, comme au passage entre le Permien et le Trias ou au passage du Crétacé au Tertiaire. On peut penser que ces changements sont dus à des glaciations résultant de la rencontre de la Terre avec de massifs nuages d'électrons issus du plan galactique. Les dernières glaciations du Quaternaire, Worms III, ça s'appelle, se sont produites alors que le système solaire traversait le plan de la galaxie en allant du sud vers le nord, c'est-à-dire il sortait du bas de la galaxie vers le haut, de notre galaxie, la Voie lactée. C'est une explication qui peut indiquer pourquoi les glaciations étaient beaucoup plus prononcées dans l'hémisphère nord, lequel recevait directement les électrons des nuages du plan galactique. Donc ça aussi, ça devait être connu pour prévoir. Si après les divers calendriers, réalistes ou vrais ou non, ayant eu cours dans différentes civilisations ou religions, suivis de l'indication de leur année de départ dans le passé. Calendrier orthodoxe, totalement inattendu, 5509 ans avant notre ère. Le calendrier juif, 5469 ans. Enfin, plus précisément, ça pourrait être le 7 octobre 1761, c'est-à-dire vers moins 5770 de notre date d'aujourd'hui. Calendrier chinois, 4707 ans. Donc il a été créé en moins 2636. Le calendrier celte, moins 2373. L'égyptien, moins 4236. Le maya, le 13 août, moins 3113. Et le chrétien, c'est l'an 0.
Mais depuis combien de temps les hommes compilent-ils des données astronomiques ? Ben depuis très longtemps, en réalité. Parce que, pour Épigène, le savoir le plus ancien chez les hommes est vieux de 720 000 ans. Simplicius, au VIe siècle, prétend que les anciens Égyptiens possédaient des notes sur des observations astronomiques prises sans arrêt depuis 630 000 ans. Bon. Selon Pline, Cicéron et Diodore de Sicile, qui sont des gens sérieux, n'est-ce pas ? Des inscriptions relevées de traditions savantes remonteraient à près de 500 000 ans avant notre ère. Le même Cicéron, assez sceptique cependant, rapporte que les archives des Babyloniens seraient vieilles de 470 000 ans. Hipparque, donc premier des astronomes, fait mention de chroniques assyriennes remontant à 270 000 ans avant son époque. Hérodote, le père de l'histoire et factuellement démenteur, et Diogène Laërce écrivirent que les prêtres égyptiens étaient en possession de manuscrits antérieurs de 49 219 à 48 863 ans au règne d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire trois siècles avant notre ère largement. Marcianus Capella, au Ve siècle, affirme que les sages d'Égypte avaient secrètement étudié l'astronomie pendant 40 000 ans avant d'en divulguer les résultats oralement. On voit quand même que les anciens avaient une autre idée de l'histoire que celle qu'on nous impose. La durée d'un cycle de la manifestation du monde entre sa création et sa destruction est l'année divine ou jour de Brahma pour les hindous, ou encore un kalpa. Chaque kalpa se divise en 1000 périodes égales, ou chaturyuga, dont chacune se divise à nouveau en 4 yugas ou âges de durée décroissante au fil du temps. Le Satya Yuga ou âge d'or, pendant lequel règne l'harmonie sur Terre, le Treta Yuga ou l'âge d'argent, pendant lequel cette harmonie n'est maintenue que par des efforts individuels et collectifs des hommes, le Dvapara Yuga ou âge de bronze, qui se distingue par une désagrégation des règles de vie et des consciences, et enfin le Kali Yuga, dit âge de fer ou d'ignorance, pendant lequel tout s'effondre et prépare le Chaturyuga suivant, c'est-à-dire le retour de l'âge d'or. L'éternel retour, selon Nietzsche, c'est de la bibine. Selon cette doctrine, ces quatre âges seraient de durée décroissante. Le Satya Yuga, ou âge d'or, durerait 22 576 ans environ. Le Treta Yuga, ou âge d'argent, durerait environ 16 932 ans. Le Dvapara Yuga, ou âge de bronze, durerait 11 288 ans. Et enfin, le Kali Yuga, ou âge de fer, durerait 5 646 ans. Vous avez noté que, à par rapport au départ des calendriers, ça commence à dire « serrer les fesses, ça arrive ». Selon les anciens textes, un grand cataclysme aurait marqué le passage entre l'âge d'argent et l'âge de bronze. Ils ne disent pas plus, puisque l'autre est à venir. Le Kali Yuga aurait débuté en 3102 avant notre ère, pour se terminer vers l'an 2442. Alors ça, c'est ce que disent les commentateurs modernes. Or, je vous présenterai dans les films les textes, avec leurs traductions faites par des hindous. Comme ça, les choses seront tranquilles. D'hindous en anglais, directement. Vous allez voir que la différence est très importante, puisqu'elle nous ramène à l'époque actuelle. Donc, on nous ment. La durée donc d'un de ces âges Kali Yuga serait 5444 ans, ainsi qu'il est indiqué. Moi, je préfère croire la comparaison avec les calendriers anciens plutôt que les traductions qui ne sont que forfaitures. Pour Jean Faure, que j'ai présenté en tout début, selon la tradition, il est un temps très mal défini où la Terre tournait selon un axe perpendiculaire à l'écliptique, ayant pour conséquence un printemps continuel. Évidemment, le rayonnement solaire étant comme ceci et l'axe de la Terre comme cela, c'est l'éclairage toute l'année. Il n'y a pas de nuit de 6 mois ou de journée de 6 mois au pôle. C'est la même. Il fait bon, il fait doux, on est en vacances perpétuelles. Et il y a 3 floraisons par an, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, les récoltes, on ne fait rien. On est tous au RSA, etc. Ce printemps n'aurait existé qu'à une époque, celle du Jardin d'Éden. Le basculement de l'axe des pôles a ainsi précipité l'homme dans le temps. C'est en tout cas à partir de cette rupture fondamentale que prend en effet la précession des équinoxes en tant que qualification des aires successives de 2160 ans. Ça veut dire que cette période est très largement antérieure. Le cycle, en tant que structure autonome, ne commence vraiment qu'à la sortie du paradis primordial. Donc apparemment, les cathos et leur Bible et leurs évangiles auraient quelque chose à dire, mais c'est là encore très très mal traduit. Donc l'âge d'or, c'est les petits oiseaux, les petites fleurs, tout va bien, tout le monde les fait salaire, et c'est parfait. Toutes les traditions s'accordent ainsi sur les conditions engendrées par la sortie de cet âge d'or, qui eut de nombreuses conséquences. La mort en fut la première, la maladie, les saisons, l'obligation de travailler le sol, la diminution de la durée de vie, la perte de bonté et de spiritualité, la détérioration progressive des possibilités psychiques, intuition, télépathie, télékinésie, etc. Ce qui était pur et simple avant devient désormais difficile et compliqué. Il fallut réfléchir et s'adapter par tous moyens en sauvegardant ce qui avait été sauvé lors du désastre.
car la chute devint de plus en plus rapide. Ben voilà, je pense que vous le savez. Ces sages se réunirent et statuèrent sur ce qui était, à leurs yeux, le plus important. D'abord, leur propre existence. Ensuite, comment améliorer celle-ci en qualité et en durée. Comment protéger la vie face à tout danger. Puis, comment transmettre les savoirs les plus nécessaires à leurs successeurs. Ça, c'est la vraie histoire des hommes, parce qu'il y a eu cette réunion. Et maintenant, on sait, grâce notamment aux travaux de Jean Faure, comment à peu près noter les choses. Vous voyez, on fait remonter, selon Jean Faure, le cataclysme de l'Atlantide à cette période. Si l'on compare les mois précessionnels à des signes, ce que je ferai dans le prochain film. Donc nous sommes ici, l'âge de fer, ère du Verseau, on y rentre. Et là, il dit, il n'y a plus grande chose, il y a la parousie, le jugement, le début d'un nouveau cycle d'humanité. Voilà, c'est le Kali Yuga, cette partie-là. L'âge des reins, touc, c'est l'Atlantide qui s'est effondrée entre les deux. La Lémurie, tout ça, on ne sait pas. Et lui, il pense que la chute, l'involution de l'humanité se fait à ce moment-là, c'est-à-dire la perte du paradis, le moment où l'axe de la Terre bascule. On ne sait pas pour quelle raison et on ne sait pas si cela est imaginaire, mais on est obligé de le considérer. Un mois précessionnel est égal à 6 jours de Dan, c'est-à-dire si on compare les données bibliques aux données cyclologiques. Donc un jour de Dan, c'est égal à 360 ans. Pour faire 7 jours de Daniel, donc nous ajoutons 360 à 2160, soit 2520 ans. La durée entre la première édition complète des prophéties de Nostradamus à Lyon en 1557 et la révolution russe en 1917, qui est exactement annoncée, et à une durée exacte d'un jour de Daniel, soit 360 ans. La semaine de Daniel s'achève sur 4 événements très importants. Les apparitions de la Vierge à Fatima, mais on ne sait pas si c'est du vrai ou du bidon. La déclaration de Lord Balfour pour le retour des Juifs en Palestine, on ne sait pas si c'est du vrai ou du bidon. La Première Guerre mondiale, ça on le sait. Et la Révolution bolchevique, là on le sait aussi. Tous ces événements liés à un seul horizon. Si vous avez bien compris, vous en savez davantage que vous pensez que vous le savez. 72 ans après, soit la durée du cycle de précession des équinoxes pour parcourir 1 degré du zodiaque, c'est en 1989, l'année de la chute de l'Empire communiste, prévue par Michel de Nostradamus et Jean Faure et d'autres, et j'en passe, etc. Donc on voit que cette manière de procéder est assez solide. Dès lors qu'on la lit, c'est intéressant. Les anciens ont aussi dit que l'espace se comporte comme de l'eau. En hébreu, Maim, Maim, c'est l'eau, et Shamaim, c'est les cieux. Cette chose est importante puisque si on compare le comportement à l'espace et à l'eau, on s'aperçoit que tout comme le disent les physiciens quantiques, il y a des rides sur le temps. On verra ça dans les films parce qu'il faudra d'abord synthétiser ça intelligemment. Donc ça, pour terminer bientôt, il y a une folie qui est un don de Dieu et la source de la plus grande bénédiction accordée à un homme. Car la prophétie est une folie. Et la prophétesse de Delphes et la prêtresse de Dodone ont apporté de grands bienfaits à l'Hélade, la Grèce, quand elles étaient hors de leur sens. Ça veut dire que tout ce qui est dit là, c'est une forme de folie et pris pour telle par l'officialité, mais ça a une grande utilité. Et d'ailleurs, la prophétesse de Delphes, c'était la Pythie. Hein. On sait que la Pythie vient en mangeant, c'est pas grave. Sri Ramakrishna, c'est pour celles et ceux qui seraient davantage intéressés par les choses de l'Inde. Il est dit que, dans le Kali Yuga, c'est-à-dire maintenant, on ne peut entendre la voix de Dieu excepté par la bouche d'un enfant, d'un fou ou d'une personne de cette sorte. Voilà, un enfant, un fou et une personne de cette sorte. Donc retenez bien que ces choses-là ont tout l'aspect d'un délire, mais c'est quand même une chose importante. Ainsi s'achève cette première partie.